Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche, comme vous le savez, c'est une tranche de Contact Pro Live que nous avions lancée, ça fait un bon bout de temps que vous me suivez dans Réaction. Réaction, c'est une tranche où nous réagissons sur l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 2 juillet 2024 et l'actualité qui prédomine en République démocratique du Congo, c'est le tombé de Kanyabayonga. Donc, Kanyabayonga est tombé et puis donc aux mains de ce qu'on appelle les forces de l'Alliance Fleuve Congo dans sa branche armée M23. Cette alliance, c'est M23 qui ont été caractérisés comme des terroristes, comme une rébellion soutenue par un pays voisin qui est le Rwanda, et dont on a diabolisé pratiquement ce pays-là en disant que c'est un pays agresseur qui nous agresse et qui supporte ceux qui se rebellent ou bien des groupes armés opérant en République démocratique du Congo. Nous allons réagir, pourquoi? Parce que beaucoup de gens, depuis, ça fait déjà 2 jours que ce Kanyabayonga, qui était pratiquement une symbole de résistance de FARDC, où le FARDC cherchait à se reconstituer afin de récupérer tous les territoires conquis par le M23 dans l'année passée, parce que ça fera pratiquement 2 ans que Bunagana et les territoires, d'autres territoires comme Rutshuru, Nyiragongo, est conquis par cette force de rébellion aujourd'hui qui se prend pratiquement en libérateur. Le M23, l'Alliance Fleuve Congo se prononce en libérateur. Aujourd'hui, nous allons un peu réfléchir, pas réfléchir maintenant, réagir sur cette actualité-là, parce qu'il se passe des choses à l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa fuite ou dans le décrochage, tant au Bazoti Kabambo, quand on a Bakomiko Kima, image atroce, et Zako, Yela Bissot, Ozo, Yebatesoki, Ninango et Koleka après. Et puis, nous allons réagir sur cette actualité qui nous divise à nous sur le peuple même. Bissoba peuple, Bissoba toi à Rutshuru, Bissoba toi à Baba, Batua, ya Goma, Bissoba toi à Bukavu, Bissoba toi à Butembo, Beni. Qu'est-ce qui nous divise? Pourquoi Bazako et Bissa Bisso que ba ennemi na Bisso et Zabandeko na Bisso Oyo? Bazakoya, parce que partout au temps où tozo mona bango tango bakozwa bamboka wana bazoleka bazakoye bisabatu keno biso toza bandeko na bino toyende ko libere bino et tozo sala makasi to libere bino. Mais la question est de savoir maintenant, bazo libere biso na nini? Somnu toza baumbu ya nani? Banani yango bakanga biso na kasho pour que bango baya ko libérer biso. C'est ça les questions que tout le monde se pose. Et moi, je me suis dit, je vais réagir et je vais donner mon point de vue. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, botindela inga ba question, belé bozo tout nangai, réaction na oza ndenge nini, yoza M23, omoni, sikoyo, bokomi ko salabo. Et moi, je me dis, bandeko film, oto sito mona yango. Ce film, nous l'avons déjà vécu. Et nous l'avons vécu. Yangonde mututokomi nango maintenant lelo oyo pendant ça fait maintenant 20 ans toza na kati ya mu ya film wana eza kosilate. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le peuple ne se retrouve pas, développement mboka na biso ezo tarde ka koya. Batu oyo bazia ki comme des libérateurs ba kotisi biso na engrenage moko oyo, on commence à se poser la question, est-ce que le Congo a un problème d'homme ou bien azana problème ya leader? Et à cette question-là, restez avec branché, pour comprendre, répondre à la question. Banani nde ba ennemi na biso? Eza ba Rwandais ou bien eza biso moko ba Congolais? Ça, ce sont les questions qui sont les questions principales, les questions primordiales, fondamentales, qu'on devrait trouver des réponses absolument. Ennemi na biso eza nani? Eza Félix, to eza Kagame. Banani yango baza kosala ke mboka na biso ekomanga na boumbu ti lelo oyo Congolais akomi ko souffrir ya à peu près une affaire de millions de millions de déplacés batu bavanda kalisu na bandaku na bangote ba assassiner ezali ebele kili kili donc ba égorgement ya batu
mboka mobimba et koma mboka abatu moko boye. Est-ce que banani nde ba ennemi? Est-ce que zaba swahili nde ba ennemi aba kongole? Est-ce que zaba luba nde ba zaba ennemi aba kongole? Ou bien zaka kabatu moko moko o bazak na pouvoir nde mtu bazaba ennemi a kongole bazo trahir biso. Banani yango bazako trahir kong, na FARDC? Est-ce que ezali ba oyo baza infiltré na kati ya ba FARDC o balobaka noke parce que liste moko abatu moko ba ezako circuler na net que non ba Rwandais oyo baza na kati ya FARDC oyo Félix Falé Longola? Est-ce que ce sont là qui sont en train de trahir qui rendent le FARDC faible? Ba question za ebele o bozako tuna bolobi Mexico Germain olobi nini na likambo oyo. Bandeko, d'entrée de jeu, je vais vous dire que Likambo Tobanda Kolobelango depuis Kala. Depuis 2019, nous ne cessons à conseiller à notre président de la République que attaquons-nous au problème fondamental de notre pays. Mboka Nabiso eza na problème, eza na kokoso a munene, parce que fondation ya Mboka Nabiso eza malamute. Ça tient sur quoi? Fondation ya Mboka Nabiso ezalite. Depuis 60, nous continuons à nous tépatuer, à nous entrer dedans. Mobutu ayaki a dissipé ba politiciens, ba Lumumba, ba Koufa. Nous voyons toujours que Mboka eza ko se rechercher. Et moi, j'ai dit, il est temps à ce que Congolais abanda ko réfléchir avant ko sala likambo. Avant loba ke oza la président, yaka na solution moko o yebi ke vraiment solution o ce qui t'a implémenté en go, to kozala na Mboka moko ya kimia. Nous ne deservons pas ce que nous vivons aujourd'hui, bande konangai. Hein? C'est tantôt les politiciens, c'est tantôt les FARDC, c'est tantôt finalement Nanyangwaza ennemi. Tantôt c'est Nord, les FARDC, tantôt c'est ba Rwandais, tantôt c'est ba Ougandais, tantôt c'est ba étrangers, tantôt c'est ba multinationales. Finalement, Nabatouana Nyon Sotozo cité Awa, selon moi, ennemi Nabiswaza Kunate. Est-ce que c'est l'homme congolais qui manque, congolais, Tozana besoin à Batou? Nous avons des intellectuels, nous avons des médecins, nous avons des universitaires. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au coqui jamais qu'au kendena mboka. Tant que le chef est licencié, il est licencié. Il est licencié. Au village, il est salaza à écriture malam. Mais on se pose la question de savoir où sommes-nous. Nini ango eza ko sala biso, tozala akaka na cercle, y'a ba violence boye. Mboka na biso etonga makate. Moi j'ai été déçu depuis na longwana na Kinshasa aéroport Angili na ezaka kandengo na le petit bâtiment batu mususu place ba mboka otozali soko yo ki balobi ke ba changer loko quand tu arrives là-bas ce n'est plus la même chose. Les gens sont sérieux dans ce qu'ils font mais biso ba congolais totikala kana ni na musique kaka na musique kaka. Dans ce qui est cosmétique, c'est ça qui nous a caractérisé biso. Yangona ba tozwa kapwate na étranger. Bandeko, likambo eza ko koma na est ya République démocratique du Congo, eza eloko o to sito viva. Au lieu que nous puissions prendre conscience que babiloko o e koma kalisusu, te to prendre ba disposition, ba to ba kambi, ba ye na bokonzi, ba ye ba ke non, biloko e foko evite yango. Comment to weko sili sa biloko wana, ça ce n'est pas leur préoccupation. Vous entendez un président de la République yende mokonzi na bino alobi mboka na bino esi kufa na ngo kala. Tokoyiba nini na mboka o esi kufa kala. Non, mais pourquoi tu es président de la République? Batu baza koloba nga na za kokote la fachi, na za kolobela ye, tout ça. Ngai na lobi boye. D'entrée déjà, avant de développer makamususu, en 2019, tango fachi aye, nous nous sommes décidés de l'accompagner parce que tomona ki kaza mwa na mboka. Et to yebaki ke non auti na parti politique moko oyo IDPS oyo eza ko bundela mboka depuis longtemps beaucoup d'années. Mais na ko bundela mboka wana mwana mokonzi mwana leader charismatique na biso oyo ezala ki Etienne Tshisekedi oyo philosophie na ezala ki peuple d'abord oyo philosophie na ezala ki ke le peuple doivent se prendre en charge na parti politique wana esala bamboula. Nous avons vu le fils venir à continuer à ta na place papa na yatikate. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est venu entretenir le mal qui existait en République démocratique du Congo. Les lo o ba toi komiko kanisa o Kabila zalaki kutu bien. Tango Kabila zalaki tokumande ko kanisa to bitemo buto zalaki kutu bien.
Laurent Désiré Kabila koma kipe aya kipe abetika film o ndenge za kobeta ma awa tokanisa kike tango ango yango na siko to komi na changement to chasser Mobutu mutoza ko tia dictature na kati ya mboka ti Mobutu évolua ki parti unique a komi multipartisme et puis Mobutu akoma iko sala makamu na ndenge na ye mboka ekweyaki. La vie était aussi intenable à cet âme, à ce moment-là. Yangwana batu mususu bayala ko simba mando kiti ezalaki kamwa rebellion muke mais écoute qui déjà place ango ezali préparé que non batu bazaki déjà baba bazalaki babaya ki na bango déjà Mobutu. Le pays ne valait plus rien. C'est comme ça que Laurent Désiré Kabila profitant de la faiblesse de Mobutu parce que armée comment il kako ki vide. Asangana kina ba mboka bapaya wana bango pe bavande ko réclamer quelque chose na Congo oyebi bande ko nangai. Je peux vous dire les coopérations de pays c'est des coopérations à intérêt. Les lotos zolo ba oh, Rwanda za ko profiter na faiblesse na biso. Ils ont un leader qui sait is ah côté kuna facilement na okiko kende ko lokota mbongo. Il en profite okoya ko loba ke yende mtu za agresseur na biso. Selon moi, le problème, ça se trouve chez nous. Et c'est pas Nabiso Moko. Nous n'avons jamais réussi à mettre une fondation d'un État moderne en République démocratique du Congo. Nous avons pratiquement échoué. Batu o bazako liako koloba ke bako kamba biso. Bazako kokate, ils n'ont pas de solution. Alors, moi ici, je voudrais un peu revenir sur la situation. Oh, nenge zako kom, ezako lekana est kuna. Tomona ki président na biso na 2019 aye, akuta ki bien sûr ba problème ebele, ba problème ya armée, aloba ki ango problème ya justice, problème ya nzala, batu bazabe, mboka etonga mate, ba détourneur bazala ki pe na tango Kabila, batu babande ko iba mbongo, Kabila bande ko lobelo ko mokote. Non, nous avons un problème d'homme. Non, c'est la façon de diriger management nabiso batu oyo baza ko kamba biso nde bayebi elo kote bayebi baza na solution te bande konangaye. Et il faut que nous puissions à nous arrêter là-bas en sachant que ceux qui veulent nous diriger n'ont pas de solution pour notre pays. Parce que ceux qui tozala ki mboka o tozala ki na solution, nous pouvons être comme l'Afrique du Sud. Ici en Afrique australe, ba pays net ba Namibie, ba Zimbabwe, ba Lesotho, ba Swaziland, ba Mozambique et de Pandaka. En Afrique du Sud, organisation Afrique du Sud, c'est comme ça qu'ils tiennent. Mais pays mouké net in Rwanda, ils ont une organisation koleka biso. Biso toza toleka miyibi. Nous devons nous condamner nous-mêmes d'abord parce que nous n'avons jamais réussi. Yango baloba kapo balobi, le jour où la RDC va se relever, s'organiser et comme mboka ya solo, tous ces petits pays, nos 9 voisins dépendront de nous. Qu'est-ce que nous manquons chez nous? Qu'est-ce que nous manquons? Voilà la question. La réponse est quoi? Je vais aller straight. Bozala nangai bokoye bandenge nini. Qu'est-ce qui nous manque en République démocratique du Congo? Et l'autre côté, nous avons tout, nous avons les hommes, nous avons la richesse minérale sous-sol, nous avons la Nabatu, nous en avons, nous sommes à peu près une affaire à 100 millions d'habitants. Quelle grande puissance au Tozanango, 100 millions d'habitants à Awate. C'est-à-dire que ceux qui moutou par exemple, ce n'est Tichine, ceux qui au Teki, et là comment on a ça, na $1, $1, et que tu arrives à vendre, et là qu'on a na kati à marché neti Congo à 100 millions d'habitants, tu deviens millionnaire. Le principe est simple et elle est basique. Mais nous n'avons jamais réussi à implémenter un État qui se gouverne. Nous sommes fiers de nos musiciens. Nous sommes fiers de la musique. Mais ce n'est pas ça le pays. Tobunda kamikolonyos, Moussala Ezali, Teto, comment ko crier pamba. Avec de l'or en main, avec toutes les richesses na maboko na biso. Et alors c'est ça qui cause que ba pays petit ba petit pays ba to bazana mayele ba profiter na biloko na biso. Bolobaka o bazako exploiter ba minerai na biso, ça c'est un faux fuyant bande ko na ngai.
Vous ne pouvez pas aller chercher un voleur pendant qu'il vous a déjà volé. Aucun de colo. Oh, biloko nanga yango wana, biloko nanga bazote kango kuna. Mais ozo sala nini po kangambo kanayo po ba biloko wana ba ibaka yote. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on ne puisse pas te voler? Ne fût-ce que on sala ka prenne ka ba mesure de sécurité na mboka nayo. Moi, malgré que la richesse que l'Afrique du Sud a, na yo kate ke bato bazolo bakeno, ba Allemand ba eko exploité biso quoi que ce soit, oh non, ba ibi ba minere na biso. Ils ont aussi la richesse. Mais jamais ils n'ont jamais crié ça. Mais c'est seulement au Congo. Bandeko, ce qui se passe à l'Est n'est qu'une conséquence de la mégestion de notre pays. Biso moko tozo bunda, biso moko tozo koyiba, justice eza malamute. L'État n'existe pas au Congo. Et en 2019, nous avions conseillé au président de la République, Félix, en disant, ne vous attelez, kokende keba voyage, belé, belé, te papa nangaye. Cherche même à aller appeler les Congolais à Boulungu. Il est parti à Beni. Il a vu les massacres. On lui a dit, awa ezo moyen te. Il a constaté que l'armée était faible, l'armée n'existe pas, l'État n'existe pas. Bandeko, moi j'ai honte. Lorsque biso na biso tozo bunda, tozo ko sala biloko, mboke ko bonga kandenge nini. La conséquence, elle est là. Mais maintenant, conséquence wana yango, batu moko boye basimbi mandoki, balobi biso, il faut to solola. Oboy ko solana bango lobi te, eza bino tenga na ko solana Rwanda. Vous êtes toujours à côté de la solution. Or, nous ici à Contact Pro Life, depuis 2019, nous avons répété la troisième fois, nous avions proposé une solution globale qui pouvait résoudre Babilo Kwana. S'attelons à reconstituer, à refonder notre État. On a dit au Bandai Kolobanango depuis 2019 que Félix, solution à Mboka Nabiso Ezako refonder Mboka. Il faut redynamiser, il faut donner l'autorité de l'État. L'État est la canarie. L'État est la forme à gérer Batou. Et ces gens-là, vous devez les connaître. Les lots, comme à Koloba, ils ont eu Rwanda, ils ont eu Luba. Et moi, j'ai eu honte. Ce qui Gilles Ngongo à côté de Ituri, ils ont traité Batou Banya Rwanda. Ils traitent, c'est comme si il ne connaît même pas l'ennemi de son pays. Mounia Rwanda, c'est un ennemi. Est-ce que si on mona mounia Rwanda eko exploité bino alobi ke boye boye, c'est parce que bino moko boza koyeba ko se gérer te, c'est quelqu'un d'autre va te gérer. Moutou a profité na désordre na bino, mais maintenant comme si ko oh biso ba so biso va faire de cette comète. Moi ce discours de Gilles Ngongo, j'ai eu honte et j'ai eu pitié, et ça m'a rappelé na radio moko ezalaka na Rwanda kuna radio Mille Collines. Oh, ils allaient qui consommer haine dans la carte de la population. Ce que Félix a fait pendant son premier mandat, il a condamné à Rwanda, Mikolonyos, oh, Kagame, il a agressé biso tout ça. Non! Kagame a agressé parce que Olingi a coopéré na ye. Kagame a coopéré na Kagame. Laissons-vous, donnons-nous, ouvrons-nous, soyons en face de l'obéla, nabiso moko, nabiso moko. Ce qui pensa ba frontière na biso zala ki bien gardé système malamu ya mboka mboka nini ekokaki ko komeka komeka biso Mobutu avait protégé les frontières malgré que ce n'était pas vraiment aussi bien que on ndenge fallait zala, mais c'était quand même bon, le pays était protégé, ba pays nzinga nzinga ba bande ko banga biso, mais nani yango ko banga biso lelo yo moko za ko finga mboka na yo. Parce que tu n'as pas de solution, monsieur Félix. Tu n'as pas la solution. Tu sais que déjà la solution en Mbokate. La preuve en est que, au bande de Kofinga même faire de Sewana, c'est toi qui devrais apporter la solution. Ce que tu as la solution, tu es démissionné. Mais nous avions décidé de vous accompagner depuis 2019 en disant, papa, voici ce que nous pensons, comment tu peux faire pour que. Nous avions demandé à ce que la solution soit globale. Kokenda akosolola na ba groupe armé te. Il faut que les Congolais se parlent. C'est ainsi que nous avions proposé cette solution de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et dans cette planning-là, c'est là où il y avait l'histoire d'aller causer dans les territoires, tout réfléchir sur Congo et Sika. Nous avions demandé au président de la République de proclamer la 4e République et
que nous commencions à la préparer en 2020. Ce que vous avez mis sur deux ans. Comme ça, tu aurais examiné le texte total. Je suis en Sikayambokozala. À partir de la base. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Nous devons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. La base doit être capable de se nourrir, de s'approprier de sa sécurité, de se comprendre cohésion nationale et Zala. Et ma solo anande toloba kike, ba place o batuo baza kubunda, ba kumbango moko ba kotia mandoki na se, ba kovanda. Tant qu'ils auront le pouvoir de gérer eux-mêmes leur territoire, ya koloba, territoire na biso tozo gérer ango, mais nous sommes partie de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Ba état de lié wana, ezala ki charge, il fallait zala charger, nako identifier d'abord batuo baza la kanakati ya territoire na bango. Il y a assurer que Bapé si ba point de vue na bango sur constitution ya sika ya 4e république, comment la gestion du pays sera nouvellement votée pour que le peuple puisse être capable ya ko kanga moibi ya ko se protéger et puis ya ko se faire partir na katia république démocratique du Congo. Ya ngona toloba ki ba état de lié wana zala ki chargé ya ko ya kota la ko tanga constitution ya sika oyo peuple yé moko na tango ya paix, parce que la constitution actuelle ne nous permet pas de la toucher lorsque nous sommes menacés ou bien tozana ba état de guerre comme maintenant là. Maintenant bandeko toko expliquer ka eloko lisusu na ba émission msusu spécialisée auto salaka réflexion. Mais maintenant lelo oyo ennemi ezanani, nous avons constaté aujourd'hui que rébellion wana eza kokola malembe malembe malembe, c'est comme ça qu'il gagne du terrain. Armée na biso to finga yango to kokate mokonziye moko akomi na ba mercenaires pembeni pembeni na ye, donc il n'a plus confiance même aux militaires, donc un coup d'état peut-être peut se faire maintenant là to éviter. Alors ma peur c'est quoi? Ma peur c'est que l'ennemi ce n'est plus celui qui vient parce qu'il se proclame un libérateur akoki jamais koya kobanda koboma bino comme venait wana oyo Félix achana mitu ya batu na tango a campagne na ye, que l'ennemi c'est le Rwanda et que le M23 est supporté par le Rwanda, batu bakomi koyeba kake ba Rwanda ba koya ko dominer biso. Et c'est là ma peur. Tango ngana lobaka ke non, ma peur pour le M23 c'est que nous nous retrouvons dans le même film qu'a fait Laurent Désiré Kabila. Il vient en alliance avec d'autres pays, mais à cause de libérer na batu wana ndenge nini. Parce que bato baza ko pesa mando ki bato baza ko supporte comme on dit que c'est le Rwanda, ils vont demander leur part lorsque bako conquérir ce qui babengani Tshisekedi. Ça sera la répétition pratiquement de l'AFDL. Et ko koma sikoyo bon OK moi nous vous devez nous payer voilà et ko zala boye ko zala boye nous allons contrôler ko zala tsu makambo ba AFDL ba 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 Baba nani baba interamwe oh baba Rwanda baba, ça sera encore la même chose. C'est ça ma peur. Je me dis oui, boko conquérir na bino pays mobimba. Mais maintenant, serons-nous vraiment capables de nous gérer nous seuls? Place wanande mukua ezali. AFC wana ekoki koya et conquérir na ngedi, mais n'oublions pas que batwana pe bazana alliance Naba, le même type, le même Rwandais, le même Ougandais, nde mtu baza ko pesa F, baza ko baza baba. Tangu toko koma ke no e komi siko bango mongo bakomi Congo. Je crois que le Rwanda aura droit aussi ya koloba to salisa kibino pona kobengana monguna. Alors, aujourd'hui monguna e komi nani, monguna e komi Tshisekedi. Et ils ont eu le temps de donner à Tshisekedi pour que to vanda to solo là. Mais comme Tshisekedi ne réfléchissait pas, Azalaki na mayele te akolobate bandeko solution globale à la République démocratique du Congo yango. Parce que un pays fort comme la RDC va entraîner le développement de tous les petits pays qui sont tout aux alentours. Et donc, il est important à ce que nous puissions être vraiment tout solo là. Batouana, tangu bakoya, basiba bengani, est-ce que c'est de bon cœur? Bango pe bakota la profit na bango ya ngwananga na lobby pona sidisa M23 oui, AFC oui, mais derrière eux qui sont là? Est-ce que ça même film était automonaka awa ego koma sikoyo non
avant ça la boye, il faut tout ça la boye. Avant ça la boye, bisonde to contrôler bino. Bisonde to ko gérer Congo parce que bino bokoka ko se gérer te. C'était ça la, le problème ya nani ya Afdel. Tango bengana ka ba Rwanda lo bité bozonge pa na bino. Mais vous deviez vous mettre d'accord et j'espère que mutu ope nanga azoyana batu na ye wana. Lui il ne s'appelle pas président, il s'appelle coordinateur. Qu'est-ce qu'on fera? Quel est le plan? Bien sûr qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore le droit de connaître ce qui va se passer dès qu'ils vont conquérir le pays. Ils savent, bango moko ba yebi place ni nango bazo kende. C'est pour cela que je donne ma langue au chat en disant, faites attention maintenant. Monguna Oyo a changé cas. Ce n'est plus le M23 qui est devenu l'ennemi du peuple congolais, mais c'est plutôt le FARDC. C'est parce que dans le film, il y a Kala. Tout le monde a katango ba faire de ces baza kokima, baza la ki ko pié, baza la ki ko boma, baba de ko violé. Tous ceux qui sont de mon âge connaissent cette histoire là. Ndenge babima ki kote a Bukavu kuna tiki Kinshasa na makolo. Est-ce que ça sera encore la même chose? Attendons voir qui vivra, verra. Donc, tous autres là. Mais tozo yebi sabato ba société civile a Butembo beni kuna o baza ko lancer ba alerte ba sali résistance ba résiste kana mutu azana munduki te ba solola kande na mutu azana munduki et Tshisekedi n'a pas voulu ya kosolana ba tu AFC. C'est comme ça que nous sommes arrivés là et nous avons peur que bato ba continuer parce que armée ndenge kaka ibandi ko tombe boye ko koma na Ituri kuna bitumba makasi kozala. Kuna, on ne sait pas. Bango, Gilles Ngongo azolo ba keno ba zana ba bombe ba nini. Est-ce que ba bombe wana ba kukai kwa yako kubunda ngona M23 te? Wana muno kwa pamba kaka azolo ba loba kuna metangu mamaka mwango koma. Parce que la population là-bas, ba zoze là-bas se libere. C'est le pourquoi même des codeco et de toutes ces forces négatives. Voilà mes chers amis, ma petite réponse na réaction na ngai na ba situation oeza koleka na est. Ba tuya ba nande bo sala keba. Ba politicien na bino ba trahir bino ba lakaki bino Félix alakaki bino akosili sa guerre wana akosili sa ba soki ba ADF ba nini tout ça mais il s'est fait que na ba information otoza nango les ADF sont les FARDC o ba sala ka ba opération wana tout le monde s'écrit ba zalaka ba FARDC mais on a voulu nous faire manger quelque chose o ba ngo bazana solution te. Au condamner Rwandais, Rwandais a un ennemi na sur quoi? Est-ce que Rwandais ne mutatinda kabino bozo ba minerai na bango bo kende kote ka yango e pa na bango? Vraiment moi je pense que bokoina bao bakoina na zolo bela ba Rwandais te me na zolo ba mabe na biso ba congolais parce que le mal est chez nous les congolais. Il faut que nous puissions nous organiser. On va se retrouver prochainement dans un nouveau numéro, portez-vous bien, au revoir.